Pour moi, les cartes sont rebattues comme tous les ans, mais encore pire cette année, parce qu'on a des comportements liés à cette année un peu compliquée. On a un comportement de la vigne qui, en fonction des terroirs, qui réagit de façon très caractérisée, j'allais dire presque outrancière quelquefois. Et donc, il a fallu vraiment, encore une fois, intervenir plutôt tard en ce qui nous concerne au niveau des travaux viticoles en verre. On est intervenu mi-août, fin août, alors que d'habitude, c'est plutôt fin juillet, début août. Donc, on est intervenu tard pour pouvoir nettoyer la vigne, pour pouvoir la préparer, anticiper des vendanges qu'on espérait tardives, et c'est le cas. Well, as you can probably see, I'm in the vineyard of Château Pichon-Baron. We're in the fourth day of harvest. Today it's the 2nd of October, and the ambiance here is pretty good because we've had 5 weeks of the most extraordinary weather. August was a little cooler than one might have wanted in an ideal world, and we really needed at the beginning of September some fantastic weather, and we got it. So since the beginning of September, we've just had days like this one. Long days of sunshine, and it's been ideal conditions to get the grapes ripe. The weather forecast for the next 10 days is looking extremely good, and this is the kind of thing that makes this job worthwhile, because after a whole year of very hard work, if the weather isn't good at the end, you can't make great wine. But actually what really matters is what's going on in the vineyard right now. The grapes getting riper every day, especially the great Cabernets that make up the heart of the Pichon blend. Every day of sunshine that passes, we get closer to an outstanding vintage. And so we're feeling pretty pleased about this 2014 harvest here at Pichon Baron. Mis un coup de baume au cœur, c'est le magnifique soleil que l'on a eu au mois de septembre et par chance qui se poursuit jusqu'au mois d'octobre et qui nous permet d'avoir des raisins d'une qualité magnifique et recherchée. Mais derrière, le travail va se poursuivre en vinification avec un travail vraiment de sélection des parcelles entre elles pour arriver à développer et garder la fraîcheur du fruit des raisins, d'obtenir en fait des tanins d'une souplesse pour exprimer tout le potentiel du millésime 2014.